Hallelujah. Amen. Brother Matthew is asking me that I should distinguish Bible reading and Christian literature. I told him that it's very obvious. Donc, le frère Matthew me supplie d'essayer de nous partager, de nous donner la distinction entre la lecture biblique et la lecture de la littérature chrétienne. Et je dis que c'est très évident. One passage in the New Testament, one passage in the Old Testament. On va prendre un passage dans le Nouveau Testament et un passage dans l'Ancien Testament. Go with me in the New Testament first. Allons d'abord ensemble dans le Nouveau Testament. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapter 4, verse 13. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Yeah. Paul was asking for his books. L'apôtre Paul ici est en train de demander qu'on lui apporte ses livres. Bring my coat. Apporte mon manteau. Bring my books. Apporte mes livres. Especially those that are leather bound. Et surtout mes parchemins. He was a reader. L'apôtre Paul était un lecteur. Ecclesiastes chapter 12, verse 9. Ecclesiastes chapitre 12, le verset 9. Right to 12. 9 à 12. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont les paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Amen. Yeah. Les enseignements de l'Ecclésiaste rassemblés en un recueil va apporter la stabilité dans la vie chrétienne. C'est comme des clous bien planté. The gathered sayings of one teacher are like deeply embedded nails. They will bring stability. And that one has to do with Christian. It has nothing to do with the Bible, because it says that the teacher took time to investigate, assemble his knowledge and write. L'Ecclésiaste a pris du temps. Il a bien sondé, non pas les écritures, ses connaissances. Il a pesé ses mots. Et il a écrit. Et on est en train de dire, il faut rassembler tout ce qu'il a écrit, tout le recueil, l'anthologie de tous ses écrits. Ça va te servir. L'apôtre Paul, à son tour, dit à Timothée, comme on venait de voir dans 2 Timothée chapitre 1, verset 13 et 14. 2 Timothée chapitre 1, verset 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui. Le dépôt, le recueil
de ce que tu as entendu de moi. Ce n'est pas ces épîtres, c'est ces enseignements recueillis. Voilà la littérature chrétienne, différente des Écritures. La littérature chrétienne, c'est les enseignements même des hommes qui va nous aider à grandir spirituellement. Que ce soit dans l'Ancien Testament, on peut aller aussi dans Jérémie 31, où Dieu, c'est Dieu lui-même qui a ordonné à Jérémie, si Jérémie va prendre des rouleaux, assois-toi et écris tout ce que je t'ai dit depuis le début. Jeremiah chapter 36 from verse 2. Take a scroll and write on it all the words I have spoken to you concerning Israel, Judah, and all the other nations from the time I began speaking to you in the reign of Josiah till now. 30, verse 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise foi, alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Neja, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis, Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Ok. De 2 à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Yeah, write the vision. Écris la vision. Job also wanted to write a book. Job également voulait écrire un livre. Oh, that my words were penned down and written down. That's why Elihu. C'est pour cela que Elihu started writing them down because Job said he wanted his words written, documented. Avait commencé à écrire ces paroles de Job parce que Job avait dit qu'il voulait que ses paroles soient documentées. Job chapitre 19 à partir du verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Amen. Amen. And there are other passages. Et il y a beaucoup d'autres passages. Yeah. The Bible, God told Moses. Dieu avait dit à Moïse. Write down the history of the Exodus. Écris l'histoire de l'Exode. Write it. Écris cela. All the stages of your journeys. Toutes les étapes de votre voyage. Write them. Écris-les.
God told Moses. Dieu avait dit à Moïse. Write down. Écris. God will be continuously at war against the Amalekites. Dieu sera continuellement en guerre contre les Amalécites. Make sure that you read it to Joshua. Rassure-toi que tu le lises à Josué. So that Joshua will execute it. Afin que Josué puisse l'exécuter. And there are other books of the Bible that we don't, that are, like the book of Jasha, like the poetry of Moses. Moses was quoting from the book of Jasha when they were passing through the wells of as libre peut-être lui if on peut accuser de hérésie si on n'a pas lu lise oui Exode 17 14 aussi. Donc tu vois que c'est un livre qui est fréquemment cité. Josué chapitre 10, non, lui chapitre 10 à partir de 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher presque tout un jour. Ouais, c'est parce qu'on dit le livre du juste. C'est le livre de Jasha. 2 Samuel chapitre 1 verset 18. Et il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arbre. Il est écrit dans le livre du juste. De Jasha. Donc, il y a beaucoup de littérature chrétienne. Tous les rois avaient des chroniqueurs, des scribes, qui devaient noter les événements du royaume et voir et noter la main de Dieu dans la nation comme instruction pour les générations futures. On a un peu touché à la littérature chrétienne. Hein? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, livre. Et même en Apocalypse, il y a beaucoup de livres au ciel. Il y a le livre de vie que le Seigneur est en train de lui écrire lui-même. Il y a les livres écrits par les anges scribes qu'on appelle les veilleurs. Et il y a ta biographie spirituelle qui est au ciel. Certaines personnes qui ont beaucoup cherché la volonté de Dieu, ils ont des tomes. Et d'autres qui ont vécu dans l'indépendance, on va mentionner simplement leur nom dans une phrase. Des livres et des livres et des livres. WhatsApp in Hoheb, Woheb. Numbers chapter 23. Ha ha, hallelujah. The war anthology of God. L'anthologie de guerre de Dieu. We need to ask the Lord to read his book of wars. Qui est surpris de voir qu'il y a tellement de livres dans la Bible? Des livres qui ne sont pas la Bible dans la Bible. The Book of the Wars of God. L'anthologie de guerre de Dieu. Nombre 21, 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaher en Soufa et les torrents de l'Anon. Vas-y, non. Va être en Soufa et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche la frontière de Moab. Le livre des guerres de l'Éternel. Oh.
En anglais, c'est différent. That is why the book of the wars of the Lord says, why have been so far? And the ravens, the Arnon and the slopes of the ravens that lead to the side of Ar and lie along the border of Moab. C'est pourquoi il est dit au livre des batailles de l'Éternel, Vaheb en Soufa, et le torrent en Arnon, et le cours des torrents qui tend vers le lieu où Ar est situé et qui se rend aux frontières de Moab. Aha! Donc ils ont utilisé ces livres-là pour trouver de l'eau. Il y a beaucoup de livres, n'est-ce pas? Yes. Si toi, tu ne lis pas ta part. Non, ça, c'est la littérature contemporaine. On était sur littérature chrétienne. Non. That's contemporary. That's contemporary literature. You take that one, you have to go to Titus. Again, Titus chapter 1. That is general culture. Oh. Yeah. You have to read about the people that you are preaching to. And he also read one of the Spartan writers. So that one is contemporary literature. And we are to read that one too. Say amen. Amen. We were dwelling on that which is written by men of God, and that God himself directed to write so that his people can be built, guided, or helped. So that Christian literature is sometimes it's God himself that wants the books written. Hallelujah. Amen. Who is satisfied now with Christian literature? In the Bible. Qui est maintenant satisfait de l'étude de la littérature chrétienne dans la Bible? As something that cannot be bypassed. Comme étant quelque chose qu'on ne peut pas outrepasser. Incontournable. Comme quelque chose d'incontournable. For his spiritual upliftment. Pour la croissance spirituelle. Hallelujah. Amen. They are the chronicles of the prophets. They are the chroniques des prophètes. The books of the prophets. Les livres des prophètes. Are all these not written in the annals of Prophet Samuel? Are all these? That means that these are extracts. What is in the Bible is an extract from the annals of Prophet Samuel. The annals of Nathan. The books. Il y a des parties dans la Bible. La Bible dit, ceci n'est-il pas écrit dans les annales du prophète Samuel ou du prophète Nathan? Donc ce sont des citations, des extraits. Many books. Plusieurs livres. Hallelujah. Amen. We have said it very clearly. Joshua chapter 1 tells us what reading the law and reading the books of Moses, the difference. It will make you successful in all that you do because it will keep you in line with the will of God. And Deuteronomy chapter 17 says, the king shall read from the Bible every day so that he may live long and so that he may pass on a dynasty and so that he may be humble. Bible reading keeps the heart humble. Bible reading keeps a man aligned to God. But the reading of Christian literature, in the case of Joshua, you shall not depart from the book of the law and all that my servant Moses commanded you. He separates the book of the law and all that my servant Moses told you. If you follow all that, if you meditate on the book of the law and all that my servant Moses told you,
then you shall prosper in all that you shall do. So, reading of Christian literature produces spiritual success. Dans la lecture de la littérature chrétienne produit le succès dans la vie spirituelle. According to Solomon, it produces spiritual stability. Selon Salomon, ça produit la stabilité spirituelle. Provided you don't read too many authors. Pourvu que tu ne lises pas tellement d'auteurs. If you read all the books of one teacher, si on lit tous les livres d'un même enseignant, you shall be spiritually stable. On sera stable spirituellement. So the benefits are inherent. Chaque passage qui parle de la de littérature, des livres des autres, dit pourquoi. Et la lecture de la Bible comme la lecture quotidienne de la Bible. Dans, Afonso, lis Deutéronome 17, à partir de 18. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, des lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne. Oui, mais on est en train de ressortir le pourquoi. Donc, mets en face afin que... Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin que... Il apprend à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et à toi, afin que la lecture biblique garde le cœur des dirigeants humbles, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont supérieurs aux autres frères. La lecture biblique nous protège des pièges de nos positions. C'est dans la lecture biblique qu'on est gardé de l'orgueil de ce que notre position nous donne, afin qu'on ne pense pas être meilleur que nos frères, et afin que nous puissions prolonger notre leadership, et afin que nos disciples ou bien nos fils puissent aussi émerger. Ça, c'est la lecture biblique. Un aspect de la lecture biblique aussi, c'est Esdras, chapitre 6 ou 7. Ils ont lu la Bible pendant 6 heures en public. Et ça a déclenché le réveil. La lecture biblique déclenche le réveil intérieur. Néhémie 9 et 10. Néhémie 9, verset 3, on me dit. Néhémie chapitre 9, le verset 3. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. C'est chapitre 8, 8-5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'a ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Et ils s'inclinaient et se prosternaient
devant l'Éternel le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akou, Bétail, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Belaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient. Rémi, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. La lecture biblique apportait toujours le réveil. Josias a ramassé une copie de la loi et il a commencé à lire ça et il a déclenché un réveil. La lecture de littérature chrétienne apporte la stabilité. La mémorisation de la Bible apporte la sanctification, apporte les armes dans le combat contre le diable et contre les tentations. Les gens qui ne mémorisent pas la Bible ne sont pas armés pour les tentations. Les études bibliques apportent l'érudition et la capacité de rendre ministère. 2 Timothée 3. Donc, chacun de ces disciplines a une utilité distincte. La lecture biblique, c'est pour aiguiser, raviver la vie spirituelle. La mémorisation biblique, c'est pour la sanctification et la guerre contre les tentations dans le cœur. L'étude biblique, c'est en vue du ministère, pour pouvoir rendre ministère aux autres, afin que l'homme de Dieu soit bien équipé, apte à toute bonne œuvre. C'est différent. Et la méditation biblique assure le succès dans tous les projets. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne se tient pas ainsi de suite, mais qui médite dans la parole de l'Éternel. Il sera prospère, même quand tout autour, c'est du désert. Tu es maintenant satisfait? Ok. On est éclairé. Qui voit que c'est différent? Yes. La lecture biblique est différente. Ce que ça apporte est différent. Donc ce n'est pas juste la CMCI qui dit qu'il faut faire ceci et on fait trop. La lecture biblique apporte autre chose. Ça rend un ministère différent. La mémorisation biblique, Thy word have I laid up in my head, in my heart, that I might not sin against thee. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. That's Psalm 119. That's the Psalm 119. Study to show thyself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothée 2:15. Vas-y.
Study to be a good workman. Study to be a good minister. Étudie pour être un bon ministre. Meditate to prosper. Médite pour prospérer. Meditate to prosper. Médite pour prospérer. All scripture, verse 15 and 16. All scripture is good, is and how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise. 2 Timothée chapitre 3, partie du verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans la préparation pour n'importe quel ministère, prière, enseignement, évangéliste ou quoi, ne peut pas contourner la Bible. Propre pour tout bonheur. Les Écritures sont fondamentales pour tout ministère. Je pense qu'on a cloué ça, n'est-ce pas? Qui est encore incrédule pour qu'on le coigne encore? Au cas où. Et l'exemple du Seigneur, il a étudié les Écritures. À 12 ans, on le trouve dans le temple en train de poser des questions, en train d'expliquer les Écritures. Dans ses enseignements, il a bien étudié ce que les autres ont ce que les pharisiens enseignent. Il est dit ceci, 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 mais vous dites. Donc il connaissait l'enseignement des scribes et il connaissait les Écritures. Donc même le Seigneur a étudié les Écritures. Donc, toutes ces disciplines de la Bible sont différentes. La mémorisation biblique pour la sanctification et pour qu'on soit armé, c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de persécutions. La mémorisation biblique est importante pour que Dieu te parle si tu es en prison. Parce que c'est ce que tu as gardé dans le cœur que le Saint-Esprit va utiliser pour te consoler. La Bible dit, afin qu'on soit consolé à travers les Écritures. Le Saint-Esprit est le consolateur. Romans 15, 4. Read it. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. Yes. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Yeah. The scriptures bring consolation. Les Écritures apportent la consolation. And that is the prime office of the Holy Spirit. Et c'est là l'un des offices principaux du Saint-Esprit. L'office principal du Saint-Esprit, c'est être consolateur. L'instrument principal de consolation, c'est les Écritures. C'est lui qui s'éloigne des Écritures, n'a pas fourni au Saint-Esprit avec quoi le consoler. N'est-ce pas, le Saint-Esprit est Dieu? Yes.
N'est-ce pas, il va parler avec le langage de Dieu. Est-ce que le langage de Dieu, ce n'est pas la Bible? Si tu n'as pas lu la Bible, est-ce que tu vas comprendre le vocabulaire du Saint-Esprit? Tu penses que c'est ton patois qui va parler? Même si c'est ton patois qui veut parler, il va parler avec les Écritures. The comfort that comes from the Scriptures.